الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث 381 وعن البراء ابن عازب رضي الله عنهما رابوتي با سيدنا Al-Barra ibn Azib radiyallahu anhuma kichi an Tabib an Ansar an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qal fil Ansar ki le prophète sallallahu alayhi wa sallam finjia concernant ban Ansar ban Ansar ki sanla comme on connaît c'est ban jimun kichi dans Yathrib dans Madina ki fin aid ban musulman ban muhajirin quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avec Zot fin fait hijra et fin accueillir Zot fin donne Zot tout support possible fin donne Zot tout bon support possible fin donne Zot l'endroit là même et donc l'endroit là fin métamorphosé après ça quand nous connaît Madina il s'appelle Yathrib avant comment il était et il y a des tribus dans Yathrib. Comme on peut dire Yathrib, c'est avant que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, là, nous là pour changer, il s'appelle Madina Munawwara. Et en passant, nous dire qu'il n'est pas correct pour nous appeler ça l'endroit-là, Yathrib, à ce là. Nous devons dire Madina, Madina Munawwara, avec des autres titres qui sont Taïba, Taba, mais pas, il n'est pas bon pour appeler Yathrib. Nous dire Yathrib pour faire référence à sa place qui est là avant que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vini là. Alors, dans Madina, avant, il y a des tribus principalement, parmi les tribus, il y a beaucoup de tribus, il y a des juifs, tout ça là, mais il y a des tribus, un qui s'appelle Aous, avec un qui s'appelle Khazraj. Tribu Aous et tribu Khazraj, je suis pélagé. Je ne suis pas d'accord, donc il y a des autres, avant que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vini. Là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait mettre la corité en Dieu et sa détribue là, donc, c'est principalement ce qui fait Ban Ansar. Donc, Ban Ansar, par définition, c'est Ban Jimoun qui est dans Madina, qui fait amène Iman, qui est sorti dans Aous avec dans Khazraj. Et qui fait aide Ban Muhajirin. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est bien content en Dieu. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit donc, La yuhibbuhum illa mu'min. Il n'est pas content, zot, excepté un mu'min. Ça veut dire, ça dit mon qui content, ban ansar là, il y a un mu'min. Un parmi ban si iman, c'est content, ban ansar. Et quand nous t'en zot même, ça fait nous content, zot. Quand nous t'en des histoires, quand nous t'en zot même, nous pouvons dire par exemple, c'est ban di mon qui t'y dans Madina, qui t'y peut attendre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Quand les fins rentrent, là, ben là, fin commence santé. Nous connaît pas la al-badru alayna. Avant les vini, les pétardés, ben là, puis attend avec impatience. Quand les pévini, ben là, puis content. Je t'une donne lui place pour rester. Je t'une aide dans la cause de l'islam. À cause ça, nasara veut dire aider. À cause ça, appelle zot ban ansar. C'est ban qui fin aider. Donc là, yuhibbuhum illa mu'min. C'est lui qui compte en zot. Alors, il y a un mu'min. C'est un signe iman, ça, qui compte en ban ansar. Wala yubridhuhum illa munafiq. Et il n'est pas détesté zot, excepté un munafiq. Ça veut dire, si un jimoun, il peut détester ban ansar, alors il y a un munafiq. Un des bansis munafiqat, l'hypocrisie. Dans Madina, il y en a beaucoup hypocrites encore. Ça veut dire, ben, des gens qui déclaraient qu'ils étaient musulmans, mais c'est en dans, ils étaient dans Koufre, et ils étaient fait ça pour venir faire dito, pour venir détruire l'islam. Alors, c'est lui qui détestait Ban Ansar, il y a un hypocrite. Il y en a beaucoup de sectes, il y en a beaucoup de gens qui mettent Ban Taslo, Ban Sahaba. Il y a dans Shia, il y en a beaucoup. D'ailleurs, c'est eux-mêmes principalement qui font ça. Et là où il y a quelques ban sectes qui supposaient dire je suis sunni, mais je suis proche avec Shia, alors je mets ban taslo, ban jimon. Le ban muhajirin, ban grand sahaba, même parmi ban ashara, mubashara, et je mets taslo, certains ban les autres ansar. Alors nous devons faire attention avec ça. Nous, akida, c'est qui nous comptons tous sahaba, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dire inna sahabi kan nujum.
Boban sahaba zut kumaja wan zutwal fa bi ayyihim iqtadaytum n'apod lesquels la dan pour suivre et iqtadaytum ou pour trouver bon chemin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin aussi warning nous li finji Allah Allah fi ashabi pay Allah concernant Boban sahaba la tattakhiduhum gharadam min ba'di n'a pas prend zut comme une cible après moi. Rasul sallam peut dire n'a pas prend Boban sahaba comme une cible, ça vient n'a pas attaque zut. Comment beaucoup de monde vient faire, man khawarij vient faire, ban shia faire, c'est là je t'en confère. Faman ahabbahum, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, fabi hubbi ahabbahum. C'est lui qui compte en jout, alors il compte en jout, pas en mon amour. Ça veut dire, c'est lui qui compte en jout, moi, mon compte en lui. Waman abghadahum, fabi bourdi abghadahum. C'est lui qui déteste jout, alors moi, mon déteste lui. Ça, les général pour ban sahaba. Et ban ansar je te parmi ban sahaba là dedans man ahabbahum ahabbahu Allah, c'est lui qui compte en eux, Allah compte en eux. Ça dit mon qui compte en ban ansar là, Allah compte en lui. Wa man abghadahum, et c'est lui qui déteste eux, abghadahu Allah, Allah déteste lui. C'est lui qui déteste les autres, Allah déteste lui. Donc ça c'est un signe iman, ça c'est un affaire important. Alors là, il y a la ligne entre iman avec kufr là. Il y a du monde depuis dans le dîn ça. Nous devons faire attention, nous guettons bien, nous avons l'impression, et nous avons lié les affaires, nous tannons les affaires, nous mal comprenons. Et il y a du monde, j'essaie de faire pas l'esprit, il y a là, je t'arrive, développe un sentiment qui n'est pas correct vis-à-vis ban grand, vis-à-vis ban sahaba, ban ansar, et là, là, il vient sérieux. Nous pas connaît, nous demander, nous avons des affaires qui dérangent nous demander, surtout, il y a du monde qui lit. Quand il lit, il trouve comment il y a al fitna tout le kabira après, grand fitna contre sahaba, fin de la discussion, fin de la guerre avec sahaba. Là, là, nous pas comprend. Nous avons des difficultés pour comprendre comment il arrive ça. Avant qu'il nous fasse nous l'opinion pour nous, et avant qu'il nous ait internet dans le rodé qui est capable, il pas capable, mais définitivement, il y a beaucoup, beaucoup de mauvais chemins qui sont capables de glisser facile. Al-Jiman et Jimon qui connaît. Et nous faisons droit qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala guide nous vers ce qui vient. Alors nous prenons l'autre hadith 380. Wa an Mu'adhin radiallahu anhu, rapporté par Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, قال li finjia. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مفنتان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء قال الله عز وجل كي الله سبحانه وتعالى فين جاء donc ça c'est un hadith قدسي الله جاء المتحابون في جلالي بنجمون كي content en lot à cause mon jalal pareil comme on s'y trouvait dans hadith précédent avant بنجمون كي content en lot à cause ça veut dire chacun content son camarade à cause moi à cause mon grandeur الله جاء lahum manabir min nur. Zot poena ban manabir fait avec la lumière. Manabir c'est pluriel de mimbar. Nous pas écrire mimbar. Pena mim là dedans c'est min minbar. Lela quand un nun sakina livin avant un ba, lela nous fait ce qu'on appelle iqlab. Livin mimbar. Ce pluriel c'est manabir. Alors ban jimon ki content en lot à cause Allah subhanahu wa ta'ala zot poena ban mimbar zot poulo ban mimbar ki fait avec la lumière yawmul qiyama. Mimbar qui veut dire, le verbe c'est nabara qui veut dire ressentigin hot res hot. Alors quand jimon li monte au mimbar li vin pli hot pour qui quand li adresse la parole ban jimon trouve li tan li bien ces principes de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça va dire là, pour haute. Ça veut dire, premièrement, je suis dans une station élevée auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et je suis pour l'eau, ban hauteur, ban manabir, qui il fait avec la lumière. Qui fait à cause, je suis content, en l'autre, à cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Yagbituhumul nabiyuna wa shuhada. Et ban nabi, ban prophète. Et ban shuhada bon qui sont là ban nabi qui sont là ban prophète nous ban shuhada nous connaît ban nabi ben même comparaison avec zot et ban shuhada c'est ban jimon qui shahid et nous connaît qui zot destin. Ça ban jimon là c'est définitivement Allah nous donne zot une plus grande place qu'il s'en faut mais seulement yarbituhum. Alors zot comment dire nous traduisons les comme ça zot pour envier ça ban jimon qui est content en l'autre là qui pour l'eau ça grand pour l'eau ça ban mimbar en la lumière là tellement ça va dire bon là il en valait
que même ban prophète et ban shuhada pour envier eux. Alors ça pas veut dire que ça dit mon là finalement les pour venir plier dans bien les pour rentrer dans une statue qui plie élevé qui ban shuhada qui ban prophète, non, mais tellement ça cadeau qui c'est pour gagner avec Allah subhanahu wa ta'ala les pour grand qui même ban nabi même ban shuhada ban shahid pour envie pour dire moi j'ai envie gagner ça. Alors comment y a nous explique ça, fait comment dire un jimon liena, comment ban ulama explique il n'a sans séval. Et l'autre côté, un jimon est un seul séval. Mais seulement, c'est un jimon qui est un sans séval là, il gagne ça un séval là-bas, tellement séval là, il joli, il y a une qualité extra. Quand tu dis, moi, j'ai envie de gagner ça. Pour dire, moi, j'ai envie de mettre ça dans ma collection. Ça ne veut pas dire qu'il est plus bas que ça, l'autre jimon là. Il y en a plus que l'autre là. Mais seulement, l'autre là, il y a un tel grand cadeau qui, il a envie de gagner ça. Alors, ça, pour montrer nous, tout ça là, pour montrer nous valeur, quand on est content un jimon à cause d'Allah, get qui valait gagner. Alors à cause ça, nous redis encore, nous besoin mettre dans nos la vie, ben des gens qui nous content à cause d'Allah, ben des gens qui quand nous get Dieu, Dieu te rappelle nous Allah, quand nous ensemble avec Dieu, Dieu te rappelle nous Allah, nous apprend quelque chose avec Dieu, nous faisons une activité ensemble avec Dieu et nous content Dieu à cause d'Allah subhanahu wa taala, pas à cause du dunya, pas à cause ben les autres affaires. Et ben des gens qui nous content à cause d'Allah, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ben Sahaba, c'est ben Ansar. Nous content Dieu qui fait à cause de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous comptons ce qui fait à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous avons un texte, nous avons une parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parole d'Allah, pour donner encore plus de raisons pour comptons ce. Et donc nous faisons droit que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, développe nous l'amour comme un bizan pour qu'il est content, surtout là-dedans parmi et dans l'ansar et tout le reste qu'il est content, que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous réunir avec ce dans la dunya, quand même que ce était. Et dans l'akhirat, nous lèvons ensemble avec Dieu. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette nous dans un mimbar nour yawm al-qiyama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.